Bonjour, bonjour. Nous avons la, la fine fleur de calme qui se connecte, c'est parfait. Merci. Quand <laughs> allez-vous Ici, un temps bien, bien dégueux, mais ma foi, c'est parti. Donc euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, salut Guz, salut Guillaume, salut Stéphane, salut Olivier, salut Yé. Ouais fraîchement ça va fraîchement ouais ici c'est un peu mieux qu'hier mais euh, j'ai quand même ce week-end euh, fait l'opération rangement de jardin avec euh, couper l'arrivée d'eau, ranger le tuyau d'arrosage, euh, ranger la table extérieure sous une bâche. Euh, je me suis dit que la neige était pas loin, c'était pas le moment de faire le malin. Voilà, accessoirement j'avais de la famille, on a fait un peu l'anniversaire de fiston. Oui, ben voilà. Rangement de piscine. Euh, ah bah c'est bien Olivier, je vois que tu fais chauffer les neurones des, des, de tes élèves, c'est parfait, c'est ce qu'il faut, ils aiment bien, ah si j'ai fait ça aussi ce week-end euh, samedi, alors je suis pas resté toute la journée, il y avait un hackathon organisé à, à l'IPI, l'école où je donne un module là, en ce moment, et c'était aussi une journée porte ouverte, donc euh, je suis allé... Je suis allé donner un petit coup de main et euh, c'était intéressant. Le hackathon euh, se faisait entre le site de Lyon, le site de Paris et le site de Toulouse, si je ne dis pas de bêtises. Et donc euh, chaque équipe. Alors c'était avec la plateforme euh, Routmi qui fait des événements euh, comme ça, elle fait des, des challenges dédiés à tel ou tel événement. Il faisait aussi un. Il y avait un petit coin où j'ai justement fait une animation euh, sur quelques exercices qu'ils ont en, en niveau simple pour les gens qui venaient à, aux portes ouvertes, et on leur faisait un petit tour, il y avait un exercice où il fallait euh, aller euh, dans ton navigateur pour voir le code source de la page, enfin pas le code source, mais en tout cas la, la console, et manipuler l'arbre HTML et aller modifier des, des attributs d'un bouton pour l'activer, ce genre de choses. Je trouvais la plateforme très bien, mais j'insiste pas plus que ça, parce que je creuserai, je n'ai pas d'avis définitif, mais... Euh, leur, euh, leur plateforme, quand on est en compte gratuit, euh, elle fonctionne, sauf que les problèmes, il euh, y a trois lignes d'explication de ce qu'il faut faire vaguement, et vraiment, c'est pas, pas net, et il n'y a vraiment aucun accompagnement, il faut forcément la version premium. Alors, je, je comprends tout à fait, hein, pas... je ne dis pas qu'il faut mettre tout l'argent dans la nature, mais euh, si je fais une comparaison rapide avec Coding Game, qui est le même genre de plateforme, si ce n'est que c'est. C'est axé sur d'autres thématiques. Donc, je trouvais les thématiques de routine intéressantes. Il y avait un peu de cybersécurité, un peu de programmation, un peu de la stéganographie. Il y a pas mal de choses intéressantes. Mais, euh, mais on n'a pas accès à du contenu, je trouve, aussi clair quand on est vraiment débutant et qu'on découvre la plateforme. Pas... J'ai trouvé ça moins évident. Après, euh, le premium est très raisonnable chez eux. Hein. C'est 100 euros par an. Mais bon, c'est pas négligeable. Donc, voilà. Voilà, c'était les activités de ce week-end prochaine fois, je pense que je. Là, j'ai été un peu prévenu au dernier moment parce que c'est... je suis arrivé tardivement à l'école. Mais euh, s'il y a un autre hackathon, je pense que je me bloquerai la journée. C'était sympa de, de les voir bosser sur leur sujet. Ils étaient tous concentrés. Des équipes qui faisaient. Euh, chacun faisait son petit sujet. Des équipes où il y avait euh, ceux qui défrichaient, euh, faire des outils, des librairies à côté pour aider ceux qui faisaient les résolutions de problèmes. C'était pas mal. Et voir les petites stratégies mises en place, c'était sympa. Donc voilà, voilà. Et sinon, euh, hop, je vais quand même vous mettre euh, hop, le lien sur, euh, sur le Discord. On cause pas mal en ce moment. On va en parler juste après de l'advent of code. Et euh, ouais, j'en ai un peu bavé sur, euh, sur le jour 3 pour euh, une question de retour à la ligne. Enfin bref. Quelque chose en tout cas qui n'était pas détecté quand j'utilisais le rejet de test, mais qui ne marchait pas quand j'utilisais le test final. On va, on va en parler juste après. Et je voulais quand même vous partager autre chose, puisque nous avons eu. Tada! Ah, J'aurais dû mettre le même pull pour être... faire plaisir à ceux qui disent que j'ai pas changé, c'est gentil, mais c'est pas vrai. Euh, C'était l'anniversaire. C'était l'anniversaire de Calme. Euh, voilà. Le calme numéro 1, c'était le 30 novembre 2020. Euh, il faudrait que je regarde précisément. Ça avait commencé pendant le premier confinement, euh, avec ce que j'avais appelé Confine News, où je faisais de la news tech euh, pendant le confinement. Et puis c'était devenu, ben, un peu grâce à vous, parce qu'il y en a qui m'avait dit de continuer. Donc, euh, on avait créé comme à la maison. Et c'était le numéro 1. Euh, je parlais, je vois, du projet Arbalète. J'ai croisé les gens derrière le projet Arbalète depuis, c'était sympa. Euh, un projet post-kit, c'est une vidéo d'Eliox. Je ne sais même pas ce qu'il y avait, c'était quoi post kits ah oui, d'accord. Un truc avec des LED dans un, un beau pied en bois, enfin bien, bien façonné. Ok, je ne me rappelais plus que j'avais parlé de ça cette fois-là. Et les histoires de chansons de l'IT euh, à l'époque. Euh, Shirley faisait déjà ça. Scandale, bou, rembourser notre stream gratuit. Pourquoi Parce que t'as eu de la pub J'ai pourtant fait toutes les options, euh, comme tu m'as dit. Euh... Monsieur Vachaldo caché derrière la connexion de production de moi. <laughs> Et non, mais la pré-roll, ouais, il y en a une en pré-roll. Il y a la pré-roll. Alors deux pubs, je sais pas. C'est le seul truc que tu peux pas activer, sinon ça, ça part après. Alors je sais pas quelle est la meilleure solution. À part se barrer de cette plateforme un jour, c'est ce qui peut arriver aussi. Je, je, je me tape de plus en plus. Je suis pas sûr qu'il y ait aussi... De temps en temps, on a quand même des gens qui découvrent par hasard pendant l'émission, parce qu'il y a un mot-clé qui les intéresse, mais c'est quand même assez rare. Donc, pas dit qu'un jour je ne porte pas sur autre chose. J'étais jeune idéamique, et maintenant je suis vieux et fatigué. C'est ça, Olivier <laughs> Mais je prendrai des leçons euh, encore particulières, euh, monsieur production de moi, pour voir comment faire euh, le démarrage le plus propre possible. L'idée, c'est franchement... Si... <laughs> Mais encore une fois, on revient toujours au même problème. S'il y avait euh, une option qui me permet de ne pas avoir de pub du tout dans le Twitch, y compris une option où je paye quelque chose, hein, euh, je le ferai. Ça, ça me saoule prodigieusement de savoir que vous avez les pubs. J'ai essayé d'autres réglages pour qu'il en ait pas pendant l'émission, mais pas, je sais pas, je comprends pas tout comment ça fonctionne visiblement. Ouais, mais tu peux balancer. Tu sais, avant j'étais l'ami jeune, maintenant je suis l'ami âgé. <laughs> ça s'est dégradé. Toujours est-il que voilà, ça fait, ça fait donc euh, trois ans de cette jolie petite aventure. Donc euh, merci à toutes et à tous puisque c'est c'est parce que vous venez regarder alors, les lives et puis euh, que vous participez un peu à la communauté de différentes façons que, que ça continue. C'est ça qui est sympa et intéressant. Voilà, voilà. Merci. Bisous à toutes et à tous. Euh, je ne vous ferai pas la démo de ce que j'ai reçu, mais je vais quand même vous le montrer. Parce que je pense que je vais commencer à râler comme la dernière fois, évidemment, ça vous connaissez. J'ai reçu hop, la micro-console de chez Clockwork. Donc, vous voyez, c'est plus compact si je compare hop, euh, avec le grand frère DevTerm. Là, on a la micro-console. Donc, c'est pas flagrant la différence de taille. Il faudrait vraiment que je le mette côte à côte. C'est quand même plus petit. Mais surtout, 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 euh, pour moi, le changement majeur, et ils ont eu vraiment raison de faire ça, c'est que euh, toute la, la, la partie centrale, là, il y a un espèce de sandwich façade plus d'eau. Mais même le dos, je crois. J'ai un doute. Je ne sais pas si c'est plastique ou métal. Je pense c'est métal aussi. Mais en tout cas, la structure intérieure est en métal. Ce qui fait que le, le clavier, quand on appuie. Je ne sais pas si on entend là. Je vais faire un peu d'ASMR, mais je pense que ça filtre. Vous entendez le cliquet En tout cas, les, les, les touches ont un ressenti qui est quand même plus sympa. Et évidemment, comme avec le dev euh, j'assemble soigneusement le truc. Il bah, y a comme duno qui avait assisté pendant... Je n'avais pas fait un live sur... Euh... Sur Twitch, j'avais juste démarré un truc sur le Discord. Euh, à l'arrivée, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas démarré. Euh, donc j'ai un thread qui a commencé sur le forum de, de Clockwork. J'ai essayé différentes SD cartes, j'ai reflashé, enfin ce genre de truc. Pour l'instant, ça ne marche pas. Donc je vais passer par une phase où je vais... Alors j'ai déjà réouvert pour vérifier que la nappe était bien reliée à l'écran, ce genre de truc. Mais je pense qu'il y a le, le module. Dans l'autre, le module était vraiment euh, un peu... Le principe c'est, vous voyez, il y a une, une carte mère adaptée aux, aux extensions qu'ils ont fait, notamment pour l'écran, les choses comme ça. Euh, on clipse dessus un, une, un premier PCB adapteur qui sert en fait à, à mettre le, le compute module Raspberry, là c'est un Raspberry Pi 4 en compute module. Mais avant le compute module se clipsait un peu comme une barrette de rame avec des, des clips métalliques pour le fixer. Là il est vraiment posé et c'est le couvercle arrière qui vient se mettre par-dessus avec une petite patte thermique à un endroit et qui vient faire un appui pour le maintenir en place. Mais au moment où on le met en place, en étant très vigilant, il faut savoir que c'est vraiment deux séries de, de, de contacteurs très très fins qui permettent de faire le contact entre le compute module et le PCB dessous de l'adapteur. Et je ne suis pas sûr que ça soit... qu'il n'y ait pas un peu de mouvement. Donc je vais étudier la, la carte euh, euh, et, et voir si je peux pas déjà préfixer, euh, mais j'en sais rien. Mais même ne serait-ce qu'avec 4 euh, bouts de petites pattes à fixe pour essayer de fixer le truc, je ne sais pas s'il y a les emplacements pour des vis. C'est dommage, ça, c'est, je pense, la source du problème. Et j'espère derrière que ça démarrera, puisque je vois que le jus est arrivé, j'ai vérifié déjà l'alimentation. La, Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, l'objet est beaucoup plus réussi. Et reste à voir si j'arrive à le faire fonctionner correctement, ce qui était quand même. Le but. Voilà, euh, j'ai quand même un truc derrière, donc on va essayer de pas trop trop traîner quand même. On va repasser en partage et tac. Je voulais aujourd'hui avec vous vous parler un peu de l'Advent of Code. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous mettre le lien vers le site. Euh, L'idée, en fait, euh, je pense qu'on peut. Donc c'est un calendrier de l'avant avec des chaque jour, un nouveau problème à résoudre. Donc là, on arrive au quatrième jour aujourd'hui. Euh, je crois que la mise à disposition des exercices doit correspondre à 6 heures heure française. Euh, et hop, si je clique là-dessus, voilà, on voit le premier exercice, une histoire de... Toujours les lutins du Père Noël qui font différentes de bêtises ou choses. Et on a des, des problèmes qui sont quand même, je trouve, très souvent... Euh, du parcours, du nettoyage de chaînes de caractères, des petites opérations mathématiques associées, bref. Euh, et donc il y a une opération à faire qui donne normalement un résultat euh, numérique généralement. Et donc euh, on a d'abord un jeu de test avec euh, les explications et la réponse qu'il y a avec le jeu de test, puis... On a un lien, bah on verrez sur le, le jour 4, puisque là, celui-là, comme je l'ai déjà résolu, il n'y a plus le, le lien, il y a la réponse à mon, à mon puzzle. Il y a des données qui sont alors euh, générées euh, ils ont un système qui permet de générer a priori des, des inputs différents pour tout le monde. Hein. Donc tout le monde a une réponse finale différente pour éviter quand il y a quelqu'un qui fait un live ou un partage euh, que ça soit la même réponse. Et puis on, on joue son code avec ce, ce jeu-là et normalement ça donne la réponse pour valider. Et généralement il y a une deuxième partie. Euh, qui, euh, qui est chaque jour une deuxième partie. Je ne sais pas s'il si est facultative maintenant, je n'ai même pas fait gaffe, enfin, je la fais généralement. Et euh, qui ressemble, qui se base sur le même jeu de test et qui fait un truc en plus ou un peu différent basé sur le même truc. Et, euh, et voilà, donc euh, ben ça existe depuis 2015. J'ai regardé ce matin. En tout cas, c'est accessible si on va dans events. Voilà. Ça commence depuis 2015. Je suis étonné parce que je suis certain d'avoir fait l'Avent of Code avant 2020. Pour le Covid, mais je me rappelle plus euh, quand je l'avais fait. Ça devait être un compte différent. Donc, voyez, je vais jamais très loin. Hein. La note à code, ben, c'est tous les jours avant Noël, donc il doit y avoir 25 jours. Mais euh, je fais jamais les 25 jours. Euh, le plus que j'ai fait, oui, bah, je pensais que c'était l'année dernière, pas du tout. Euh, c'était la première année euh, en tout cas qu'il a gardé la trace. J'avais fait 12 jours en 2020. Euh, mais ce qui m'intéresse, du coup, je vais prendre deux secondes pour expliquer pourquoi je fais ça. C'est pas tellement euh, pour l'aspect. Euh... Ah, il y en a qui font des tentatives de brute force. Ma bah, foi, c'est une façon de répondre au truc. Je sais pas si le site, c'est se protéger ce genre de choses. Ouais, c'est un peu. Moi, bon, en tout cas, le, le... parce que derrière tout ça, euh, là, vous voyez, il y a des... une étoile à chaque fois qu'on valide une partie. Mais euh, en fait, à partir du moment où il publie, il y a le compteur de temps qui se met en route. Et. Il euh, y a un système de points pour les gens qui répondent. Euh, donc, celui qui répond le plus rapidement, je, si je dis pas de bêtises, c'est 100 points. Il n'y a que les 100 premiers qui marquent des points. Je ne sais pas pourquoi. Euh, j'aurais pu y avoir un peu plus. 100, ça ne me paraît pas beaucoup, parce qu'il y a quand même des milliers de participants. Peu importe. Voilà, le premier qui répond à 100, le deuxième 99, et, et ainsi de suite, jusqu'au centième qui a un point. Et, euh, et, ouais, ouais, euh, et les gens, euh, après c'est un peu comme l'aspect, je vous avais dit, j'aimais bien ça, truc de coding game. Euh, là, la code, c'est pareil, comme il y a de la compète, ben, les gens font, font tout à fond là-dessus. Euh, je trouve pareil, ben, ça très captivant, sachant que c'est des gens qui s'entraînent à l'avance, qui font les challenges des années d'avant, mais surtout qui se font des librairies où ils ont déjà... Euh, on en parla pour le jour, le jour 3, il y des gens qui avaient des librairies qui permettaient de gérer des grilles de caractères et de nombres. Enfin, donc, bon, pourquoi pas, hein, c'est un autre délire. Euh, moi, mon intérêt du truc. Euh, J'avais tendance à essayer un langage différent chaque année au début. Pour le plaisir de découvrir un langage, comme les problèmes sont... Alors, était pas trop compliqué, je trouve que cette année c'est un peu plus corsé que les autres années. Ou alors j'ai vieilli, comme dirait Olivier. <laughs> Mais voilà, cette année, j'ai repris, euh, repris en Python. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ben, je fais... Euh, vous allez le voir, là, on, va, on va en faire un ensemble. Là. Euh, je déroule le truc, euh, je fais mon code. Je suis limite en train de faire un script. Je me fais quand même une petite fonction. Il y a quand même deux, trois trucs. Vous verrez, j'ai quand même un petit tooling de chargement du fichier maintenant. Enfin, des choses comme ça. Et puis, euh, et puis après, ben, en fait, euh, je, une, même une fois que j'ai la solution, avec le jeu de test et puis je valide, je valide les deux parties et derrière je, je regarde si mon code, bah, je ne ferai pas un petit peu de refactoring, que j'organiserai des fois euh, la partie 2, des fois peut s'appuyer du code de la partie 1. Alors que là je fais des fois pour aller vite, je fais juste le copier-coller, vous voyez ce genre de choses. Euh, et puis j'essaye d'autres façons. Et surtout euh, au bout d'un moment, je vais regarder donc euh, les différents, enfin vous en avez sur euh, plein de forums, Reddit et compagnie. Je vais voir ce que les autres ont fait aussi. Et c'est intéressant de regarder et de piger euh, bah, comment eux ils ont résolu le problème. Des fois ça peut être euh, bah, super intéressant. Cette année, je me suis mis à faire un petit peu un truc qui est pourtant courant en Python, mais c'est les, les listes de compréhension que j'utilise pas énorme. Donc là j'en ai fait un petit peu. Euh, et je trouve ça bien. Donc euh, ça permet d'explorer euh, son langage, de se faire des petits trucs euh, réguliers. Et euh, ouais, après, on a, on a tout à fait le droit d'être compétiteur sur ces trucs-là. J'ai pas de soucis, moi j'ai pas, je suis pas... Là là-dessus, suis... soit je ne suis pas compétiteur, soit c'est parce que j'ai pas le niveau aussi, hein. j'ai pas de problème avec ça. Euh, comme dit Stéphane, malgré tout, on prend un petit coup à l'ego de temps en temps. Pour la petite histoire dans l'exercice d'hier, donc je dévoile à rien parce que je sais qu'il y a Goose qui est en train de le résoudre aussi, mais euh, méfie-toi Goose, parce que moi j'avais un truc qui fonctionnait Stéphane aussi avec le, le jeu de test. Par contre, quand je passais aux données complètes du, pour résoudre, et ça marchait pas. Et alors là, comme on n'a pas d'autres infos, ben, à part avoir un mauvais résultat, il dit que le résultat est trop gros ou trop petit. Donc euh, là, en l'occurrence, j'avais un résultat trop grand. Donc ça voulait dire que je trouvais trop de réponses dans le, le problème. Euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je vais vous le montrer tout de suite derrière. Bon, on peut le faire avec le jour 4. Parce que j'ai préparé quand même le, au moins la, le début. Déjà, j'ai lu pour savoir un peu ce qu'il y avait à faire. On va voir ensemble. Euh, tac, je me suis remis un charm. Voilà. Et j'ai fait un fichier où je mets, vous euh, voyez, chaque jour c'est pareil, j'ai un fichier avec le jeu de test et un fichier d'input euh, pour chaque partie qui contient, alors si on voit l'input de hier, voilà, c'est la même, je ne sais pas pourquoi j'ai, ouais, oh, je recopie, mais c'est la même, bref. Voilà, c'est ce genre de, c'est les fichiers un peu plus costauds, il euh, y a un peu plus de lignes à traiter. Et là, c'est pour permettre de piger ce qui se passe un peu visuellement et, et de débuguer. De mais en fait, en... En, utilisant, en saisissant là, la, la façon dont je lisais les fichiers, j'utilisais la, la méthode ReadLines du fichier, euh, de, 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 de l'objet File en Python. et euh, la petite histoire, c'est qu'il me donnait effectivement, après je faisais un parcours, des lignes présentes, qui me retournait dans un tableau, mais il conservait comme dernier caractère le caractère de, de retour à la ligne, le NewLine. Et ça avait des conséquences, parce que dans la façon... Euh, Là, il faut détecter les nombres et puis on les valide s'il si y a un caractère spécial autour. C'est-à-dire un à gauche, un à droite, ou un au-dessus, ou un en dessous, enfin bref. Et ça déclenchait, dans certains cas, avec le caractère autour de la ligne, ça déclenchait ce qui n'aurait pas dû être déclenché. Par exemple, je pense que le 603, là, il se déclenchait parce qu'il considérait qu'au-dessus, en diagonale, il y avait le caractère new line, un truc comme ça. Donc il a fallu que je fasse autrement, on peut faire autrement et on peut enlever les, les lignes. Euh voilà, je n'en pas plus, je te laisse faire goose Salut Donnera Ouais, il n'y a pas de retard, il hein, y a le temps. Euh, voilà, voilà. Un petit fichier après, voilà, que je, je mettrai. C'est aussi l'occasion pour moi, j'avais un petit peu euh, mis de côté euh, PyCharm, parce que les petits bouts de code que je faisais jusque-là avec VS Code, ça allait bien, et je me suis rendu compte que quand même. Euh, c'était pas mal, j'aime bien PyCharm. Et j'ai activé aussi euh, pour le fun, je voulais ça, je n'ai jamais utilisé réellement longtemps, j'avais juste regardé une fois euh, Copilot. Je l'ai activé parce que je me suis rendu compte que j'y avais accès pour l'instant, j'ai été identifié comme contributeur open source. Alors on ne sait pas, j'ai le statut, je peux essayer, mais euh, c'est soit contributeur open source, soit enseignant, soit élève, donc je ne sais pas quel est le statut qu'il a repéré. Toujours est-il qu'il est activé et qu'on peut aussi l'activer dans PyCharm, donc. Euh... On va voir ce que ça donne avant même de commencer. Euh, c'est là où euh, voilà, je pourrais faire des librairies au lieu de faire des copier-coller. Ce que j'aime bien faire au cas où j'utilise une des méthodes comme si c'était une librairie. Après, je mets le petit bout de code en Python qui permet de voir que euh, si je suis en train de le lancer lui-même, il va s'exécuter. Hop, à chaque fois, c'est le même délire. Je mets une fonction. Euh, qui va à partir du fichier de données faire quelque chose. Voilà et donc là aujourd'hui rapidement, donc là il y a tout le je vais on va, on va revoir ensemble mais il y a tout le texte d'explication et dans l'exemple voilà le résultat à viser c'est 13. Donc c'est pas pour faire le malin ou je sais pas quoi mais je mets un petit assert dessus tant que j'ai pas la bonne réponse, je sais que c'est pas bon. Donc, c'est une base comme une autre. Et puis, euh, pareil. pas se prendre la tête, surprendre. C'est pareil, je vais retourner. Hein. Je pourrais le générer. Il y a plein de façons de faire. Il n'y a pas de mauvaise façon, hein, du moment que vous résolvez. J'ai vu que les gens qui le faisaient en SQL, en Bash, en Assembleur, il y a de tout. Voilà, il y aura un return quelque chose à la fin. On verra. Euh, hop du coup, euh, le problème aujourd'hui, donc il y a une histoire d'un un, un, un des elfes, hein, des lutins, euh, il vient avec des piles de cartes colorées, et euh, c'est des cartes à jouer, vous savez qu'on qu gratte la carte, et puis il y a un numéro, et le numéro, il est gagnant, pas gagnant, des choses comme ça. Et en fait, euh, il y a une, ce qu'on va avoir comme, euh, comme données, c'est une, une succession de, euh, de cartes. Et là dans le jeu de test, il y a des de 1 à 6 des cartes. Donc chaque ligne c'est indiqué quelle carte on a. Et après on a alors euh, je l'ai lu mais que je ne vous dise pas de bêtises. Euh, voilà. Ici on a la liste des numéros qui sont considérés comme étant... Voilà, les numéros gagnants qu'il faut avoir. Et après, c'est la liste des numéros que, que vous avez, on va dire, en tant, que, en tant que joueur. Oui, il y en a qui font ça en... En vim Keystrokes, ouais, c'est très bien. Je, découvrons des choses. Donc voilà, vous avez une carte à chaque fois par ligne avec les numéros gagnants et les numéros que vous avez. À chaque fois qu'on a un numéro... c'est au-dessus. À chaque fois qu'on a un numéro qui est présent dans la liste, donc par exemple le 83, on voit qu'il est dans la liste à côté. Donc le premier, ça fait un point. Et après, on double pour chaque. Donc, par exemple, le premier, ça ferait un point. Là, le deuxième, 86, il y est. On se retrouve à 2. Le 6, il n'y est pas. Le 31, il n'y est pas. Le 17, il y est. Donc, euh, on se retrouve avec 4. Et ainsi de suite. Euh, donc, bah, c'est ce qu'ils expliquent en dessous. Il y a le 48, le 83, le 17 et le 86 qui sont dans la liste des numéros gagnants. Ça veut dire qu'on fait. Euh, on fait 8 points, 1 point pour le premier match, doublé 3 fois, ça fait donc les points, on se retrouve avec des puissances de 2, ça tombe pas mal. Euh, voilà, il déroule euh, les explications pour. Euh, alors, je, pour l'instant, j'aurais pu le faire hier quand j'ai vu que ça galérait d'ailleurs. Quand il déroule un peu à la main sur le jeu de test, il y a quelque part, vous voyez, c'est intéressant de voir qu'il y a le calcul pour chaque carte. Donc, on peut envisager aussi de faire des petits tests unitaires euh, pour le jeu de test. Pour voir si on a bien pigé le truc, ça peut aider dans certains cas. ou bon, En tout cas, en débuguant, ça, ça aide forcément. Donc voilà. Donc ce que je fais, bah, je copie ce que je vous ai montré. Hein. J'ai juste copié et puis mis euh, le fichier texte. Et une fois qu'on aura un algo, quelque chose, une implémentation qui fonctionne avec le jeu de test, euh, là tout en bas, voilà, il y a le get your. Bon, on peut le faire en même temps. Tac. Get your puzzle input. Et le puzzle input, c'est juste qu'il y a plus de lignes. Euh, on va la rajouter. Dans les input files. Hop, donc c'est jour 4. Part 1. Et c'est vraiment l'input, c'est pas les tests. Voilà. Tac, comme ça j'aurai les données. Euh, très bien, donc je vous disais tout à l'heure, fur et à mesure des problèmes, je me suis fait juste, en fait, pour l'instant j'ai une seule. J'ai une seule méthode d'aide qui va récupérer le contenu du fichier. Hein. Elle l'ouvre en lecture seule. C'est là où avant j'avais read lines. Et maintenant je fais un read. Et après je fais un split lines qui va m'enlever euh, les caractères de fin. On verra s'il y a d'autres problèmes ou c'est l'inverse. Mais pour l'instant ça m'aide bien. Euh, donc comment on va appeler ça Je vais récupérer le contenu. Euh... Je regarde qui. Oups. Est-ce que vous avez mis des commentaires? Non, vous êtes sage? Vous êtes sage? Alors, on va récupérer le contenu. C'est quoi les scratch cards? C'est une pile de colorful cards. Allez, euh, tac, euh, PyCharm. Ah, on va dire que c'est une pile de cartes. Bah, très bien. Donc voilà. Euh, alors, euh, j'aime bien pas être charme parce que je pense qu'il y a déjà des choses où j'avais l'habitude. Il y avait déjà des suggestions. Le fait de rajouter Copilot, euh, voilà. Euh, ça rajoutait encore des trucs. On verra ce que ça vaut. Et c'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais vous voyez, il a déjà la suggestion, même si c'est pas ce que je lui demande. N'importe quoi. On a dit qu'on veut un get content. Voilà. Euh fait n'importe qui va bien. Donc là, j'ai ma pile de cartes. Ma pile de cartes. On va retourner sur le problème lui-même. Euh, je pense bah, dans ce qu'il explique, euh, on va déjà nettoyer ça là. puis on va se récupérer une liste des euh, commandes des winning numbers et puis une liste des euh, numbers you have un truc comme ça et après on regardera euh, ce qui ouais, on fera une intersection même ça se trouve ça suffira et après et après je pense qu'un petit coup de puissance de, de, de nombre d'éléments de l'intersection on va voir, on va déjà découper ça euh... By charm, talk. Um... Alors on va le, le parcourir. Hein. Euh, voilà. Hop, voilà. Ça c'est un petit coup de a priori de de copilote. Bon, rien de foufou. Alors on peut s'amuser au fur et à mesure. Hein. Formatting. J'avais créé aussi hop, pour que ça puisse s'exécuter. Ok. Donc là, il m'affiche bien le contenu de mon fichier magique. Et la cert est faux pour l'instant puisque j'ai pas le résultat. Salut Yougli! Alors! On va faire dans l'ordre. Je regarde en même temps que l'heure tourne. On m'a dit, euh, comment je vais appeler ça? Euh... Chaque ligne, c'est chiant. Ces bateaux, mais. il ne faut pas se refuser de refactorer donc on prend chaque ligne Putain, je me foutre le problème de l'autre côté sinon je vais jamais y arriver là, hop. Voilà. Donc il faut que j'enlève ben, aux deux points on aux deux points Deux points, et je prendrai la partie. Ouais. Allez. En sur les deux points. Et on va prendre le deuxième élément, ça devrait suffire. Est-ce que je peux gagner du temps après euh... Tac avancé comme ça. Oups. Si je fais ça... Ouais, on a bien réduit ça. Il euh, y a peut-être des espaces, je suis en train de penser. Euh, voilà. Et ça fait un espace à chaque fois de l'avant la première valeur. Est-ce qu'il peut, ouais, je le ferai derrière, je pense. Euh... Si je peux le faire directement, je peux le faire directement. Euh, je peux faire un autre split sur le sur le pipe. Ouais, ouais, ouais. On n'a pas grand-chose, mais ouais, j'ai bien mis deux listes. Si je fais un strip là, non, c'est pas là que ça va changer, je pense pas. Ah non, je suis con. Ma ligne, j'ai déjà enlevé le caractère. C'est après, je ferai le nettoyage. On va avoir. Euh... Bon, attends, on va dire ce qu'on fait, sinon ça va. Être... Je vais oublié. Remove. Euh... Comment ça s'appelle C'est le oh, card. Euh... Name and index. Voilà, en gros, ça devrait faire ça. C'est les deux listes. Et après, quand je vais les traiter, il faudra que je pense à nettoyer ce merdier. ouais mais je pense que je vais me faire on va stocker ça Hop. comme ça après je pourrais le parcourir euh... Euh... Si je prends value list, c'est bien je pense ça. Ça devrait me splitter les deux. Hop. Alors ça donne quoi là Ça donne quoi A chaque fois j'ai mis deux listes. C'est pas mal et du coup j'ai bien pas de mélange avec mes petites valeurs, avec les espaces et tout. Ça a fait le boulot. C'est vrai que je ne pense pas à tester mon logo sur le jeu de test. Ah ben, Goose, moi, je ne fonctionne que comme ça. Parce que. Parce qu'effectivement, tu pourrais balancer, mais à chaque fois, ça te demanderait d'aller. Du coup, si tu fais ça, à chaque fois que tu as un résultat, tu es obligé d'aller le valider dans la dans le web, le site web. Ouais, tu croises les doigts. C'est plus pour le côté aller-retour, tu vois. Là, si si bon, là, je retourne pas les valeurs encore, mais tu vois, si j'ai pas tout à fait la bonne valeur et que je réajuste, je sais à quel moment je suis tombé bon. Si je fais des petits fixes au fur et à mesure, ça, ça le fait. Euh, ben moi, je suis pas mécontent de ma petite séparation. Euh, après, il faut que je fasse... Euh, et ben, il faut que je parcours... Toutes mes oh là là, c'est quand même pas mal. Bon, c'est pas ce que je veux faire, mais ça fait rien pour le principe. J'ai pas besoin de ça, voilà. juste ça, ça suffit. Tu n'es pas si fort que ça, copilote. Je suis plus entre copilote et Pie charm C'est pas dit que je le garde longtemps parce que ça tend à me saouler, le truc qui tape un peu à ma place, mais pas exactement ce que je veux. Euh, J'ai dit qu'il fallait que je regarde. Euh... On regarde sur la deuxième liste à droite et on va piocher à gauche. Et ben je vais faire comme hier. Euh, je ne sais pas comment je vais appeler ça. On va voir. Euh, ouais, parce que si je prends à droite et à gauche... Ah, je vois, vois qu'il y a un commentaire de Stéphane. Ah, si à un moment donné. Ouais. Ah, au bout d'un nombre d'essais, euh, ils, ils, ils te font. Ah, ça, toi, je savais pas. Ils te font attendre plus longtemps, en fait. Ah, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. C'est-à-dire que tu peux pas, euh, en boucle, essayer des valeurs. Ah, bah oui, tu parlais du brute force, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, ok, bah ça a dû t'arriver, Goose, non Ou à moins que ton lingot ton était bon tout de suite et t'as pas, eu, euh, pas eu le souci. Euh... Non, je vais pas le laisser taper le code, là c'est n'importe quoi. Donc là, la, la compréhension hop, la liste, comprehension list, ça s'écrit comme ça. Euh... essais voilà ça va trois essais c'est quand même c'est quand même raisonnable euh, alors on va parcourir les valeurs les gagnants les miennes c'est celle à droite voilà ah, si euh, mais c'est parce que je vais tester ah, je vous explique et ça c'est quoi bah C'est quand ça match, c'est matches on va dire, voilà. Donc une liste comprehension en, en Python, là ça s'écrit entre crochets. Euh, il va stocker, ce qu'il va stocker réellement c'est l'élément que j'ai mis là, c'est value. Et pour savoir ce qu'est value, on, on se débrouille pour faire cette partie là, c'est un parcours de quelque chose, généralement une liste aussi, euh, je sais qu'on peut le faire avec des dictionnaires aussi. Donc là je lui dis de parcourir euh, donc value va prendre comme dans une boucle fort toutes les valeurs de, de ma liste euh, per 1 per 1 étant on l'a extrait juste avant je pourrais peut-être le mettre là d'ailleurs je suis en train de dire c'est pas propre je vais le mettre là je vais le commenter là euh, c'est les winning numbers la première partie et les numbers, comment il appelle ça Les numbers you have dans l'autre. Voilà. Et donc, pour chacune des valeurs, euh, on, les, on les parcourt toutes, là. Donc, c'est ce fort là. Et je retiens les valeurs value, là, que j'ai mis à gauche, uniquement avec la condition que je mets à droite. Et donc là, pour chacune des valeurs de l'ensemble des numéros que je possède, donc la paire 1, je vais regarder si c'est présent dans la liste, dans la, la paire 0. Donc là, ça devrait me donner normalement. Euh, tout ce qui match bon on va lui faire un print matches c'est très bien ça et, et je suis pas convaincu Ça fait pas ce que je voudrais ça. 43. Là ouais, j'y vois rien. Je vais revenir là. Voilà. Plus clair là sur grand écran, euh... oh je crois que je sais, et oui, et oui, et oui, et oui, euh... qu'est-ce que je suis bête, comment je vais faire ça, ça va pas du tout, ça Thierry. Ouais. J'ai fait le boulet. J'ai fait le boulet, merde. Pourtant, ça devrait matcher. C'est pourtant. Il y a un truc que j'écris mal, là. J'ai voulu faire le, le malin. Autrement, je me demande si j'ai pas le droit d'écrire. On tente un truc. Homologuer ça ou c'est que avec les 7 Il y a pas un et pour faire les 7 comme ça si. Il me semble qu'on peut faire de l'intersection comme ça. Ouais, c'est pas ça. Il me semblait qu'il y avait un truc avec les 7 qui permettait de le faire. Bon, on arrêter de faire le guignol, je vais rester sur ma liste de compréhension. mais Ma compréhension de liste, pardon. Par contre, je suis un peu surpris. Ah mais je suis con, j'ai un autre, euh, c'est ça qui me fout la grouille. C'est ça qui ne va pas. Ok. J'ai mélangé un truc dans mes listes là. Oudos le malin, Falls into the Ravin. Euh... J'ai chié un truc, comme dirait l'autre. Euh... Déjà, il y a un truc qui va pas. Ouais, C'est là que ça va pas. C'est comme je l'ai construit là. Bon, déjà, il y a un premier truc qui ne me plaît pas ici. En venir je sais pas si c'est ça mais il y a un truc qui me perturbe là depuis tout à l'heure winning et c'est euh, ce que je possède own. on va faire autrement on va faire comme ça on va le mettre euh, il y a aussi le fait que je ne sois pas en numérique comme ça et ici hop je ferai bien un truc comme ça Vous voyez hop ça voilà. qu'est ce qui lui plaît pas je savais qu'il y avait un truc qui allait pas donc là il me convertit bien Euh, J'ai voulu faire le guignol, euh, voilà, pas faire la version script euh, hardcore euh, du quartier nord. Et au passage, petite fonctionnalité que j'aime bien, vous mettez un breakpoint, vous basculez dans la console et vous êtes dans le contexte au point d'arrêt en fait. Donc c'est pas mal. Si je veux voir ce qu'il y a dans. Alors, non seulement on voit ce qu'il y a dedans, mais on peut. Euh... Si je fais ça, c'est ça que je comprends pas. Ah, qu'est-ce que j'ai mélangé là Ah, ça y est, j'ai compris, j'ai compris. Oh là 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 là. Stéphane, prépare-toi à te moquer, à mon avis. Ça va te faire rire. Je pense que c'est là, évidemment. Et ouais, et ouais, et ouais, parce que là, je crée. <laughs> C'était pas vraiment toute ma liste là que j'avais créée, donc ça pouvait pas marcher. Déjà j'ai toutes les autres listes, mais après du coup euh, j'ai fait un cocktail. Là. Oh, je suis parti loin dans ma tête. J'ai fait plusieurs boulettes, plusieurs boulettes parce que... Putain... Toujours se relire, toujours se relire. Est-ce que je le mets euh... Oui, je vais me faire un... Oui, c'est ça. Putain. Je m'achète une tête, hein, sans déconner. Et c'est bien fait pour moi, parce que voilà. Je me fais plus de commentaires. Je me fais plus de commentaires. J'avais fait deux boulettes déjà le décalage d'indentation. Et euh, je pense que j'ai réussi à faire deux, deux boulettes, sinon c'est pas drôle. Voilà. c'est déjà mieux. Putain. On va remettre ici les matchs. Et ça devrait. 83, 86, 17, 48, ça, si je retourne là. Yes, 32, 61, 21, 1 et 84. Donc ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal. Et du coup, comment ils appellent ça Le... What, what is it uh, What is it worth Et du coup là on fait c'est quoi on dit là ouais c'est ça, ça donc c'est la puissance de 2 du nombre qu'on en a matché et on les additionne à chaque paire donc euh, un truc comme ça euh... ouais ça 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 me dit bien <laughs> mais lui ça lui dit pas euh... oh bien sûr Alors, on va vérifier non je l'avais tout à l'heure C'est le problème avec les juniors, ça fait des, des erreurs de base. Hein. Qu'est-ce qui ne va pas là Attends, là on est quand même pas mal. Est-ce que... Allez, refais ton debug. Hop. ça sent la boulettes de... hop éviter de 10 donc je vais bon. C'est ça, il faut que je débug savoir si je fais pas de conneries là. Tac. Hop. Oui, je débugue à tout coup de print, je suis prêt à faire du JavaScript. Ah, yes. Yes, yes, yes. et oui, et oui, et oui, et oui, pas du tout. Il faut qu'il y ait trouvé quelque chose, et ouais, c'est ça. Je, je, il ne faut pas additionner la puissance de 2 correspondant à, au nombre de matchs qu'on a fait euh, s'il si n'en a pas trouvé, parce que du coup, avec Stalgoulav, il rajoutait un à chaque fois, couillon. couillon. que je suis. Hop. On fait comme ça. On va enlever pour l'instant le debug. Ça marche toujours. Yes. Et là. Alors, je vais copier tout ça, mais pas besoin. De tout ça, on va prendre le les vraies valeurs pour l'instant. Je ne connais pas le résultat. Je l'utilise après ce que je disais. J'en ai parlé avec JP. Je comprenais pas ce qu'il voulait dire ce matin ou hier soir. Comment d'abord on faisait les assertes à quoi ça nous servait. En fait, c'est juste parce qu'une fois que j'ai fini, si j'ai la bonne réponse, ça me permet aussi de, de faire du refactoring et d'essayer d'autres trucs tout en ayant cette validation. Je me méfie depuis que j'ai eu le problème hier. Je valide à la fois sur le jeu de test et sur le, le résultat final. Ça permet de ne voilà, pas se perdre en route. Et si tout va bien, la réponse serait 26 914. Yeah, one gold star. Alors, malheureusement, vu l'heure, vu que j'ai fait quand même pas mal de boulettes, je vous juste, je clique sur continue, sur la deuxième partie. Voilà, on part toujours du même jeu de test. Ok. Donc là en parcourant un peu dans le même genre de conditions. Ok. Ok. Euh, je vais pas faire la deuxième partie avec vous. Euh, tant pis, c'est pas grave. Euh, J'espère que les boulettes que j'ai faites vont vous servir à un truc, parce que j'ai vu plusieurs messages euh, de gens qui disaient ⁇ Ouh là là !⁇ Alors il y a deux choses. Le premier c'est ⁇ Ouh là là, mais ils sont ma boule, euh, c'est dev, euh, ils se plaignent qu'ils se crament sur des projets et ils vont coder pendant 25 jours. Alors, déjà, ne codez pas 25 jours si vous avez autre chose à faire, bien évidemment. Euh, voilà Hier, j'ai failli pas avoir le temps de coder, il se trouve que je l'ai fait en fin de journée, mais bon, c'était pas obligatoire. Euh, N'allez pas jusqu'au bout, s'il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au bout, c'est stupide, il faut pas se forcer. Mais l'autre truc, c'est, euh, j'ose pas parce que je ne saurais pas faire. Ben, vous avez vu, euh, j'ai beau savoir faire un certain nombre de choses, j'ai fait des boulettes. Euh, alors je, je suspecte euh, le fait de mettre aussi calé en live, ça ne m'a pas aidé. Je me, je, je me rends compte là maintenant en vous le disant, je me suis refusé un truc que je fais euh, normalement, quasiment à chaque fois. C'est, je suis en train de parcourir mon truc, je vais chercher un petit bout de doc euh, Python à côté, par exemple les. Les listes de compréhension, la boulette que j'ai fait tout à l'heure, je pense que je l'aurais évité, enfin, ce, genre, ce genre de truc. Donc, euh, soyez zen, détendu, euh, faites votre petit programme, utilisez l'outil qui vous fait kiffer. Euh, euh, j'avais envisagé, de, pour le délire, d'essayer de, d'utiliser de, 100% ChatGPT jusqu'à ce que le prompt sorte le script qui va vraiment résoudre. Mais j'ai fait un essai sur ce que j'avais résolu le premier jour. C'est l'enfer pour arriver à. Au bon truc, donc je, je laisse tomber euh, l'autre truc. J'avais deux autres trucs un peu tordus, mais il y en avait un, c'était de le faire avec Pythonista sur l'iPad. Mais à part l'environnement, ça change pas la façon de résoudre le problème. Et je m'en garde non, là. Je il y en a un que je vais tester là avec un outil euh, pas vraiment forcément fait pour au départ, mais qui gère des données. Donc je vais voir parce que j'ai vu qu'il y en a qui l'avait fait aussi avec du Excel, des Google Sheets. Donc euh, je vais aller piocher dans peut-être dans un outil de data et voir si j'arrive à à rendre ça intéressant à faire, en tout cas. Donc, on verra ce que ça donne. Euh, toujours est-il qu'il est 2h moins 5. Il euh, y a les cours qui reprennent. Il y a le boulot qui reprend. Euh, passez une excellente journée. Je vous fais des bises à toutes et à tous. Et euh, amusez-vous bien. Euh, codez si vous avez envie de coder. Reposez-vous si vous avez besoin de vous reposer. Et à très bientôt. Salut, salut